Bonjour, aujourd'hui dans Mégamix, les doubles Nelson. Daniel Lanois, House of Love, musique de la Réunion suite, et pour commencer, du rap français s'il vous plaît. Squat et Solo forment le groupe Assassin. Rappeurs métaphysiciens, pendant toute l'année 89, ils ont quitté le 18e et la banlieue nord de Paris pour se forger à New York une rap attitude en béton. Mégamix les a rejoints sur la piste de leur formule secrète et pour fêter la sortie de la première compile de rap français. Yo! Meurtrier à souhait au cœur d'assassin, c'est encore lui et pour vous il revient. Oui, je suis le mec que l'on appelle Rockin' Squat. Ma poésie fuse et mes rimes m'attraquent. Le métaphysicien de l'écriture est en action. De Paris 18e je t'envoie cette nouvelle potion. Donc rentre dans cette rythmique des plus poétiques. Ton corps s'enflamme sur chaque base de ce beat. Mets-toi à l'aise et sois prêt à bouger. L'impérial est là pour te faire danser. D'accord. Le plus hardcore de toute la partie nord passe et repasse, puis s'évapore. Donc écoute-le, prête attention. Absorbe cette leçon, bois cette potion. Tu ferais mieux de prendre mes paroles au sérieux, car quand je prends la parole, ça n'est plus un jeu. Je rentre dans ton esprit, puis j'en ressors, puis j'y reviens. Je brûle tes cellules, pour moi c'est enfantin. Pourquoi? Car j'ai la formule secrète. Hey yo yo yo, chimique était ma potion funky solo mec, car je détiens la formule secrète du style qui se reflète. C'est New York, man. Yeah, boss. Cold chillin'. You're in New York, man. Word to the mother, man. Moi, je mets mes lunettes parce que je suis un mec qui cartonne. Yo, non, like this. Get with the program, B. Nous, Français et tout, arrivons à New York, ce qui nous motive vraiment musicalement, c'est la ville en elle-même, quoi. C'est le tout. Les homeboys dans la rue. Dans la rue, la tension qu'il y a, le juice et tout, on redit le juice, mais c'est ça quoi. C'est ça qui passe quoi, ça passe dans nos veines quand t'es à New York. T'arrives ici, t'es speed quoi. T'arrives à Paris, t'arrives de New York à Paris, t'es trop speed quoi. C'est... Faut faire les trucs vite. Et là-bas, c'est une piqûre de Valium. On prend son temps quoi. Voilà. On repart dessus là. Dès que t'as passé la douane, le combat commence. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois pas, c'est un combat. Même dans l'avion, tu te bats contre les hôtesses déjà avant d'arriver à New York. Tu prends le pilote, tu fracasses, on arrive à New York, connard. Alors maintenant, vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Concrètement, on a déjà pondu pas mal de musique. Là, on est en train de se démerder pour avoir justement de meilleures facilités pour pouvoir travailler ici, c'est-à-dire avec notre maison à Paris et tout cela. De pouvoir commencer à vraiment rentrer dans la danse quoi. Tout ce qu'on a fait ici, ça faisait un peu figure de démo, tout ça. Même si on est à New York, notre piédestal c'est quand même à Paris quoi, à la base. C'est-à-dire que même si on travaille tous les trucs à New York, le premier marché à atteindre c'est le marché français. Après on pensera aux États-Unis quoi. Mais bon, on est là surtout pour acquérir la formule secrète qu'on a déjà à la base. Et il faut le dire quand même. Faut le dire. Comment vous êtes perçu en tant que rappeur français ici à New York? Ah bah, ils comprennent pas, les mecs hallucinent carrément. C'est-à-dire? Ah bah, c'est le délire quoi, les mecs hallucinent. C'est nouveau quoi. Genre ils entendent un truc, c'est comme un Français qui pour la première fois écoute du rap en anglais. Le mec hallucine quoi, c'est genre oh qu'est-ce qu'il raconte le mec, il comprend pas mais pour lui c'est funky quoi. Bon ben, voilà, c'est la même chose. Ils nous écoutent rapper en français, c'est tout de suite ils essaient de nous assimiler à quelqu'un d'autre. C'est wow, that shit sounds like yo, this is Rakim, French Rakim, oh this is I don't know. Chercher à tout connaître et ne jamais rien savoir et le favori passe-temps des gens qui savent parler le vent et cette énergie gaspillée sans compter au détriment d'un centre de l'observation silencieux mais aiguisé me laisse penser que beaucoup d'entre vous sont encore à la recherche de la formule secrète. Yo yo, cherche la formule secrète. Cherche. Prisonnier du tempo, les mots jaillissent en cadence. Plus j'en dis et plus mon analyse avance. Et qui dit analyse, dit recherche, dit travail. Persévérant sur le chemin des connaissances, mais sans la puissance d'obstination d'un savoir-faire à l'épreuve de toute situation. La formule secrète reste et ne restera pour toi qu'une illusion. Mais si tu prends le vice de pousser ton style jusqu'à la suprême frénésie, le titre, le moment où la musique, les mots s'entrechoquent, se croisent, là où quand j'écris ces phrases, je puise l'extase. Tous tes efforts n'auront pas été vains, car de cette putain de jouissance, tu ne sentiras plus la fin. Pourquoi? Haha, car j'ai la formule secrète. Ici, c'est un des pays les plus racistes que je connais. Yeah, boss. Word to the mother. Pas de problème, c'est pour ça que ça s'en prend beaucoup. On a eu des problèmes pour travailler parce que moi je suis blanc et vis-à-vis du rap, c'est vraiment black quoi ici. Donc il Il y a eu quelques problèmes, mais bon, quand tu es... Donne un exemple. Un exemple, bah, les mecs. Mais non, mais l'exemple c'est n'importe qui, c'est dans la rue. Tu marches dans la rue, déjà, tu verras quoi. Voilà, le fait, par exemple, d'aller dans une boîte. Si on va bosser dans le Bronx, je suis le seul blanc du quartier, ça va quoi. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé une fois quoi. C'est ce qui nous est arrivé. Tout de suite, tu sais où t'es. Deux fois d'ailleurs. Une fois quand on est allé chez Dadio et quand on est allé. Ouais, enfin, mais deux fois, il aurait pu arriver des vingtaines de fois, des trentaines de fois. Voilà quoi, les mecs déjà. Oh. Et d'ailleurs, un Français un jour m'a dit, ouais. Si tu continues à rapper ici avec ce mec-là, tu n'y arriveras jamais. Donc voilà quoi. Et pourtant, toi, comment tu te situes? Et pourtant, attends, je suis connu comme le professeur du freestyle vocal. Ok, jamais. Tu te situes toi par rapport à ces problèmes raciaux? À ces problèmes raciaux, mais moi je suis pas d'ici, moi, à la base. Donc ça ne me touche pas quoi. Les mecs peuvent dire ce qu'ils veulent. Alors, give a shit. L'éducation et la culture en France, c'est pas du tout la même qu'ici. Exactement. Quoi. Donc, c'est-à-dire que les problèmes, on les a laissés derrière, différences de race et tout ça, nous, ça fait quand même 200 ans. On les a laissés derrière. Ça fait quand même 200 ans que c'est aboli dans notre pays, quoi. Donc, les mecs, ils sont toujours un peu keblo là-dessus, tant pis pour eux, quoi. Ceux que je choisisse de plus. Oui, qu'est-ce que vous pensez des mouvements extrémistes et des groupes comme Public Enemy et NWA? Non, mais ouais, mais vis-à-vis de la vie. De ce qu'eux, ils vivent, mais c'est normal. Moi, je dis. Quand tu vas appeler un taxi dehors, t'es dans la rue et que t'as la main en l'air depuis 10 minutes et qu'il n'y en a pas un qui s'est arrêté, la haine. Et tu te dis pourquoi le mec s'est pas arrêté? Parce que t'es noir, les boules. Ou t'es obligé, comme il dit Big Daddy Kane, tu vois, de faire venir une secrétaire ou un truc comme ça qui look un peu preppy et que la meuf est obligée de faire arrêter un taxi pour toi, ça fout un peu la haine quoi. Et devant tout ça, il y a le mouvement Stop the Violence. Ouais, mais ça aussi c'est par rapport à la vie ici quoi, puisque les mecs, puisque noir et blanc, attends, puisque noir et blanc, ils vivent pas vraiment en unité ici, c'est normal, donc il y a des ghettos qui se forment, et donc quand il y a des ghettos, il y a la violence qui se forme avec, dans n'importe quel ghetto, il y a des montées, tout le monde a des tas de problèmes, et toutes ces personnes réunies avec tous ces problèmes-là, ça peut que péter dans tous les sens, donc c'est normal qu'il y ait de la violence, et qu'il y ait un mouvement Stop the Violence qui se mette là-dessus, parce qu'il y a des mecs qui prennent conscience. 30 secondes. Les mecs, ils essayent, mais quand tu vois la ville, comment elle est, les mecs, ils essayent, mais c'est à se demander si vraiment un jour ils vont y arriver, quoi. S'il y a de la drogue dans les rues, ici, on peut se dire que quand même, l'État y est sûrement pour quelque chose, quoi. Parce qu'il faut pas me raconter des bêtises, quoi. Les mecs, ils se baladent avec des Uzi, des 45, des tout ce que tu veux. Quand j'entends des gens comme Public Enemy, ça, qui disent, oui, que l'État y est pour pas mal et que si l'État voulait vraiment, il pourrait vraiment faire quelque chose, 100% d'accord avec eux, quoi. Et pourquoi ils ont derrière eux des gens qui se tiennent avec des Uzi guns sur leur scène de concert? To let people know, don't fuck with us. Tu ferais la même chose? Je ferais la même chose. Je suis la même chose. Clairement, pour que ton esprit enregistre, je reprends la parole et fais couler mon registre. Le beat va vite, je décapite les livres. Pour cette raison, ma poésie est interdite, sortie de mon quartier. Car j'ai déjà tué par mes rimes les 50 connards du top. Stop, dites-moi, je vis à quelle époque? Car quand j'allume la radio sur n'importe quelle fréquence, je n'entends jamais quelque chose qui balance. Toujours des comebacks de vieilles stars fatiguées. Elles n'ont pas évolué ou même progressé. Donc suis ma voix mon garçon pour cette nouvelle dimension. Du haut de la capitale je donne une leçon gratuite. Oui tu as compris, aujourd'hui je t'invite à prendre une claque magistrale. Ceci est simplement un aperçu de mon freestyle vocal. SQUAT se compose de 5 lettres pour une et une seule formule secrète. Rockin' Squat attaque du style sur ce beat funky. Ma poésie t'instruit et je prends ton esprit. Puis une à une, j'imbibe tes cellules. Ton esprit brûle, puis j'augmente le volume en insérant dedans ma toute nouvelle formule. Laquelle? Ma formule secrète. Yo, j'ai la formule secrète du style qui se reflète. Je crois que celle-là était bien funky, yo. Business is business. No matter where you are in the world, you can still do your shit, boss. Votre disque sort à Paris, alors? Dans une semaine. En France, il sort. En France et en Europe, sûrement aussi. C'est-à-dire que ça va être une question de promotion. C'est qu'un début. Les mecs ne veulent... Je sais pas comment ils vont se comporter vis-à-vis de la promotion de ce disque, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de disque de rap français véritable qui sont sortis. Là, c'est une compilation qui sort. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes sur ce disque qui sort. Et... on va voir comment les mecs vont... Si les mecs, au Canada, il y a des gens qui parlent français. S'ils veulent le sortir au Canada, ils peuvent sortir au Canada. Mais ça va dépendre combien de thunes il va avoir pour la promotion. Est-ce que les mecs vont vraiment avoir confiance dans ce disque? Le fait qu'il y ait déjà un disque qui sorte, ça prouve que c'est un pas en avant et c'est un pour en faire plusieurs derrière. Le marché français, il est prêt à recevoir votre disque? I think so. Oh, moi, ouais, il est prêt, bien sûr. Ils ont besoin de choses. Un peu en retard ? Non, mais il y a une audience. C'est pas une question de retard. Il y a une audience. C'est-à-dire que tu vas voir à Paris, la banlieue parisienne, à Marseille, à Lyon. T'en fais pas qu'il y a plein de mecs qui pensent comme nous. C'est-à-dire que dans les paroles qu'on écrit, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir s'y refléter, quoi. Le dédain et le mépris d'autrui te font entrevoir la vie comme du fond d'un puits, la tête levée observant la lumière, car au fond la seule chose que tu vis c'est l'enfer. Tel est le prix de l'insouciance qui augmente tes souffrances, consciemment tu refuses de tenter ta chance, tu pleures sur ton sort, au lieu de combattre pour réduire le score, car pour survivre au plus hardcore des sports, il faut être un matador. Si tu te fais pécho avec même pas 10 grammes de hashish, tu es un dealer, un criminel aux yeux de la justice. Mais quand un ministre se fait prendre à détourner de l'argent, le Parlement vote la relaxe et le voilà libre comme le vent. Personne ne peut rien dire, personne ne peut rien faire. C'est comme ça, le dossier est clos pour eux, c'est clair. Mon esprit analyse, transcrit sur le papier tout ce qui, à mon avis, pourrit la société. Ce titre ne représente que le premier chapitre de l'accumulation des fils de bâtards qui contrôlent ma nation. Et pour la suite, vous verrez ça dans la prochaine sortie. Vous voyez ce que je veux dire ? Une seule formule pour toute une planète. Mon succès je fête pendant que tu bats en retraite, car mon alchimie s'avère être trop puissante. J'empoigne le micro et je le plante dans mes veines. Puis je monte sur scène et là je commence. Je démontre ma science car le Nord attaque une fois de plus en rafale pour faire valoir sa puissance musicale. Ouvre les vannes, rassemble tes pensées. Imagine ce que j'ai pu maîtriser grâce à ma volonté prête à tout ébranler. Je suis un battant, j'économise le temps, le transformant en argent que je dépense facilement au gré des vents. Et pour ça, je n'ai que 3 ingrédients: le Mistral, mon micro et ma formule secrète. Wow. P, I'm a homeboy Fly D, Vincent, Crazy Bones in the house, Kool Shen, Joey Star, DJS, yeah, au NTM et le 18ème. Peace, peace, peace. Guitare rock et romantisme torturé reviennent en force dans la pop anglaise, submergée par la